Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour sur MW2, la bêta. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment débloquer la MP5 qui est bloquée dans le jeu. On ne peut pas jouer avec et pourtant, elle est tellement forte. Et tu verras des gens qui jouent avec et tu dis, comment que ça se fait qu'ils jouent avec et je ne peux pas? C'est très simple, c'est très simple, c'est très simple, je vais faire n'importe quoi encore. C'est très simple, comme vous pouvez voir ici même, là les mitraillettes, la MP5, elle est bloquée. Et pour l'obtenir, il faut déjà avoir l'arme de base, parce qu'on sait comment ça fonctionne dans le jeu. T'as une arme de base et en jouant avec cette arme là tu vas débloquer d'autres variantes. Donc il faut jouer avec la Latchman 556 pour débloquer la MP5 qui est bloquée. Donc comment faire, parce que je l'ai pas débloqué encore. C'est très simple, on va prendre en arme secondaire n'importe laquelle, on va prendre celle là par exemple, et on va mettre en arme principale, on va mettre le fusil à pompe. On met le fusil à pompe. Ok, le fusil à pompe est activé. On va prendre une classe où on aura pas surarmement, par exemple voilà, pas de course, voilà, voilà, on n'a pas surarmement. On a bien ici même, on met le fusil à pompe en arme principale, on n'a pas surarmement. On revient dans les atouts et là on va prendre une classe avec surarmement. Donc par exemple je vais prendre celle-là, voilà. Et automatiquement, l'arme secondaire sera la Latchman 556. C'est-à-dire que par défaut, il va te mettre le premier fusil d'assaut. Donc normalement, il est bloqué, tu vois. On va dans les trucs là, il est bloqué. Mais du coup, on l'a. On joue avec. Et une fois qu'on aura joué avec, on pourra débloquer la MP5 et on pourra l'équiper sans avoir à faire cette manip avec surarmement, etc. On va jouer avec cette arme-là de toute façon pour débloquer la MP5. Et on va se faire une petite game. Partie rapide. Let's go. Allons débloquer la MP5 en utilisant une arme qui jusqu'à maintenant est bloqué dans le menu. Alors bon, on est sur la bêta, pour l'instant c'est le premier jour, c'est-à-dire qu'on est bloqué niveau 15. J'imagine que quand la bêta sera accessible à tout le monde, qui sera pas sur les précommandes, ils vont augmenter les niveaux. C'est pour éviter qu'il y ait un trop gros gap entre les gens qui ont préco et qui seraient à niveau 30 par exemple, et ceux qui commenceraient. Voilà, on a la Latchman 556. On va se faire une petite game avec. Et ça c'est la base de la MP5. Donc en fait c'est la version AR de la MP5. Wow les gars là, arrêtez de camper dans le coin, merde! Mettez-vous en plein milieu, tirez en l'air! Attends, j'ai rien compris là. J'ai rien. Attends, j'ai bugué. Erreur 404, j'ai bugué. Non, on a perdu Bravo. Ok, sur A, on n'est pas trop mal. Bon, pour l'instant, il y a zéro. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a zéro accessoire sur l'arme, donc on va attendre de débloquer quelques petits trucs. Comment ça, l'ennemi s'empare d'Alpha? Quelques petits drones. Ah, il retourne. Là c'est pas chiant. Ok, on est bon. Normalement le but de toute façon c'est faire de l'XP pour débloquer la MP5. C'est de couvrir les arrières. Y a un gars qui arrive derrière, ouais c'est ça. Y'a un gars qui arrive là. Voilà, on est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Oh le sgeg! Oh le malin! Oh l'enfoiré! Oh non! Il a été malin! Il a été malin! Disconcé, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de moustique qui me traîne partout là. Bon, y'a que 30 balles, je sais pas, je vais débloquer les accessoires un peu. Niveau 7? Ah bah oui, bon ça va alors. Thank you.
ça va. Attends, je vais pas voir attirail modifié. Armory. On peut mettre une petite lunette. Silencieux, douceur. Canon, portée des dégâts, ok. Ok. Et un petit chargeur, non, poignée arrière. Il n'a pas. Munitions, pétration des balles. Ok, vas-y, let's go. Ça m'a l'air pas mal d'avoir un peu d'accessoires dessus. Je trouve qu'en vrai, on débloque les... On s'appelle... Les niveaux d'armes, on les monte assez rapidement, je trouve. Ah merde, il y a un brouilleur, quel con. Ah, derrière moi. On peut cancel slide. Alors, avec une manip, on peut cancel slide. En gros, il faut mettre que pour se mettre en tir penché, il faut faire deux fois viser. Donc, en gros, tu fais ça. Tu vois, et tu slide. Voilà, j'ai pas slide. Tu slide et tu vises deux fois. Bon, après, c'est une petite technique. Bon, c'est pas aussi bon que ça ne l'était à la limite sur MW 2019, mais ça va encore. C'est pas. Ah, c'est pas mal. Il y a des fois des gars ils sortent, tu sais pas d'où ils sortent, mais ils sortent de là! Et sécurise Alpha. Il est avec moi lui. Non, ou pas, je sais pas. Ah voilà, il était là. Après, des fois, c'est pas évident de. Il a fait peur lui. Il va être bon ce petit MW2. Ouais, il va être bon. Oh mais hey, attends. Qu'est-ce que quoi? Espèce de sac à merde va. Voilà. T'as une grosse merde, c'est une main morte. C'est bien. Une bonne grosse merde, elle est morte. Voilà. Charlie sécurisé. Niveau 14. Ce qui m'intéresse à savoir, c'est quand est-ce que je vais débloquer la MP5. On arrive sur le point A. Petite merde. Et voilà. Bon, on a fait une game avec le Hatchman 556. Et normalement, on va pouvoir bientôt débloquer la MP5 grâce à ça. Donc c'est bien, c'est une petite technique, tu vois, pour l'avoir. C'est un bug du jeu, hein, finalement. Hein. C'est juste un bug du jeu. Je sais pas quand est-ce qu'on va on la débloque, mais on va aller voir ça, là, justement. Alors, du coup, arme, on est là. On est l'Hatchman. Tu vois, niveau 16 sur 20, j'ai fait une game avec, quoi. C'est incroyable, hein. Options, alors là on va là, armurerie, donc là personnalisé et progression. Donc une fois qu'on aura joué avec, on va débloquer ça. Et bah, je crois qu'on est bientôt pour... Non, la MP5 elle est là. Ah ok. Non mais elle est débloquée déjà. Elle est débloquée. Fais voir. Elle est débloquée. Mais voilà, c'est parfait. Une game. Voilà, une game et c'est débloqué. Une game avec un peu de kill quand même, mais une game c'est débloqué. Et on a la MP5. Parfait. Et une fois que t'es dans la MP5, en fait, tu peux choisir directement les mods. Par exemple, tu fais ta classe à la MP5. Tu dis tiens, je fais ci, ça, etc. Et tu dis ah non, finalement je préfère la Hatchman. Bah hop, tu vas dessus. Et tu prends le mod directement existant. Mais du coup, là, nous on joue avec celle-là. On a celle-là et on a la RAF H. C'est quoi la RAF H? Ah, ok. En fait, ce qui est bien, c'est que sur une arme d'une catégorie, tu vois, tu peux aller sur d'autres. La RAF H est celle-là. Ok, on débloque les autres. Super. Bon, toujours pas déverrouillé, ça, malheureusement, mais... du coup, on va prendre la MP5, on va dans l'armurerie. Et au niveau de la progression, après, on gagne rien. En fait, ce qu'il faut... Ah ouais, d'accord, ouais, on a débloqué celle-là. En fait, ce qu'il faut, c'est celle-là pour débloquer le DMR, là, le LMS. Donc, écoute, on va jouer à la MP5.
Mais c'est un peu dommage pour les noms, tu vois. Lackman 556, Lackman Sub, tu vois, c'est la MP5 et puis. Bon, c'est, je sais pas l'autre d'ailleurs, qu'est-ce que c'est. Mais voilà. La petite MP5. Elle est là. Oh, ce bruit! Aïe aïe aïe! Le bruit des armes est incroyable. Le bruit des armes est vraiment incroyable. En vrai, je sais pas c'est quelle map vous préférez, mais je pense qu'on est d'accord pour dire que celle-là, c'est la meilleure, non? Putain, il y avait le rire à un moment et l'arme, elle était pas prête à tirer. Pourtant, j'ai appuyé dessus, hein. J'ai spammé le bouton. Il joue MK2, lui. Non? Ah, il joue peut-être une... Oh là... Ah, c'est ça le coup par coup, ouais. Putain, ça fait mal. Hein. Bon, après, j'ai zéro accessoire sur la MP5. Hein. Ah, je devrais attendre parce que tu vois, quand tu recharges, il y a une espèce de petit réarmement et t'es pas prêt à tirer avant que ça soit là. Donc, c'est vraiment un coup à prendre, mais bah, j'ai des mauvais réflexes en réalité. C'est pas normal. Le mec, je suis en train de lui tirer dessus. Il est même pas visé encore. Ah vas-y, cette game là, elle me plaît pas. Et je comprends pas comment les balles elles passent pas là, c'est quoi ce délire? Bon, elle compte pas, on a rien vu. Bon, c'est parti, domination sur Brandenburg Hotel. Une map bien pourrie. Mais c'est pas grave. Le but c'est de faire des kills. Domination MP5. C'est bon, elle est prête à tirer. Ok. C'est quoi? Ah, mais attends, y'a un mec qui joue au couteau là? Je rêve? Ah! Non, vous allez pas me tuer, hein! Non, je suis pas d'accord. Bon, bah, je vais prendre A, parce qu'apparemment, les alliés, ils en ont à peu près rien à secouer d'objectif, je crois. Oh non! On a perdu Bravo! Oh la voix off, mec! Non! Ah bah non, alors! Ah bah non, on a perdu Bravo! Ah bah non! Ouah, wow, il est 30 balles, tu vois, tu recharges un petit peu après à chaque fois, quoi. Drone ennemi actif. Il a fait peur, ce con. Ouais, j'aurais aimé que la para fasse un truc, tu vois. Ou la flash, c'est quoi? C'est une para. Tu vois, ça m'aurait pas déplu. Oh, les bruits d'armes, mec. Incroyable, c'est tellement bon. Je suis le seul pigeon qui prend les trucs, là, non? Il y a un moment donné, vous faites un truc. Oh, je sais pas, je... Je vais pas vous emmerder, mais bon. Bon, ça monte vite quand même les XP d'armes. Le mec, je saute! Il part! Regarde! Ah là, mais pourquoi? Quelle idée de... Bah, d'essayer de faire des kills sur moi, quoi, tu vois, c'est pas cool. Bon, au GG, ça a l'air d'aller. Moi, oh, il y a un gars là. Oh putain! Ça, c'est des bâtons. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Ah, c'est crevard là! Putain! Bien joué. La mini-map, elle est déstabilisante avec le drone, je trouve. C'est un ennemi, là, qu'il y a là, non? Parce que quand tu vois la mini-map, tu vois les points rouges. Je trouve que c'est compliqué à arriver à... Je trouve que c'est compliqué à arriver à... identifier la position de l'ennemi en regardant sa position sur la mini-map. Voilà, tu m'énerves moins quand t'es mort. Et c'est...
Alors je pense qu'on peut peut-être modifier un peu. Là on a peut-être un petit peu accessoire. Les lunettes, voilà, mire c'est bien. Bouche, canon. Ouais. Ouais, chargeur. Chargeur à tambour. Cross, laser, munitions, ok. Peut-être une petite lunette à la limite. Ouais, allez, pour voir ce que ça donne. Elle ressemble vraiment un peu là, avec le chargeur tambour comme ça, à la MP5 qu'on avait sur Cold War quoi. Là tu vois pas grand chose hein. Lui il savait que j'étais... Les bruits de pas sont très forts. Vraiment les bruits sont très forts, je pense que silence de mort va être très appréciable. ...50 balles dedans, ouais j'ai pas besoin. J'ai le réflexe de recharger après chaque combat. Ce qui est vraiment un réflexe de merde hein, c'est... What? Ok, il y en a deux qui se sont fait avoir, mais pas moi. Eh hey. Oh, j'ai plus de... Attends, je campe pas, je sais que tu vas arriver. Je suis vraiment un enfoiré. En même temps, j'ai l'impression qu'à chaque fois ils me font ça. On va jamais gagner, je m'emmerde pour rien, je suis le seul con à faire ça. Vous me faites chier, vous pourrissez la vie, ordure. Eh, c'était pas mal quand même hein. C'était cool. En vrai la petite MP5 elle est sympa et surtout bah voilà comme... Voilà, t'as une manière de jouer avec, que personne peut jouer avec, bah... C'est cool de l'avoir. Oh la MK2. Ah... Oh bah pour une fois qu'il y a une killcam sympa à regarder, parce que d'habitude c'est quand même de la merde. Ah, mais bon au final, c'est cool, voilà c'est cool, on a fait deux armes, petit gameplay avec deux armes avec lesquelles normalement on n'est pas supposé pouvoir jouer. Putain mais ça monte super vite hein, c'est incroyable hein. Incroyable. Voilà, si vous voulez jouer avec ces deux armes-là, la Latchman 556 et la Latchman Sub, c'est-à-dire la MP5. Je sais pas comment on l'appellerait celle-là. C'est une sorte de... je sais pas, de gros, de SIG, de... un truc du genre, non? Qu'est-ce que c'est ça... Non mais attends, mais tu as chargé une partie sans mon consentement? Non. Voilà, en tout cas c'était cool. C'était cool.